Bon les amis, je vois Clément, je sais pas du tout ce qu'il fait. Je vois un saut de balle avec des balles, enfin en tout cas il est en pleine lecture. Salut Clément. Salut Mathieu. Ça va, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de lire porte, attends, bouge pas, ça va. Ah. Excuse-moi, hein, c'est bizarre, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, je suis tombé dans l'eau et puis je ramasse ma balle. Tu ramasses ta balle en faisant de la pêche? Ouais. Mais ça fait combien de temps que t'es là? Non mais je te rappelle Clément, la règle de golf c'est de maximum 5 minutes pour rechercher ta balle. Ah bon, 5 minutes? Ouais. Oh, alors tu vois bien que t'es quand même sur des piquets jaunes. Ouais, et c'est la quoi dernière... la Eh ben la dernière fois on avait fait sur des piquets rouges. Oui, exact. On avait combien de possibilités? Est-ce que tu peux 5. Me rappeler 5, exactement. Eh ben la règle du piquet jaune c'est 3 possibilités. D'après d'accord. Toi lesquelles? Je pense que je peux jouer dans l'eau. Exactement. Là, rejouer du départ. Ok. Et la troisième, eh ben c'est tout simplement le point d'entrée de ta balle. D'accord. Tu prends aussi par rapport au drapeau, tu tires une ligne. Et tu as le droit de te reculer autant en arrière que tu veux. Ah mais ça je sais faire, tu veux que je te montre? Bah tu veux pas que je t'explique d'abord? Non, regarde, je vais te montrer. Bon bah écoute, si t'y tiens, vas-y. Je sais pas ce qu'il fait Clément. Apparemment il a envie de se dropper de cette manière là. On va voir, je le suis. Et je vous dirai un petit peu comment ça se passe. Clément, ouais. Tu crois pas qu'il y a un petit souci quand même là? Bah quoi, je droppe? Non mais t'es à Leclerc. Ah merde, putain, on est loin là. Bah ouais, quand même, un petit peu. Est-ce que t'arrives à voir encore ton drapeau? Même avec le fer-ci, j'y arriverai pas jusque là-bas. Bon Clément, je t'ai essayé de te laisser faire, mais je vais quand même t'expliquer comment faire. Je peux dropper quand même? Allez, vas-y, essaye. C'est un peu compliqué. Donc Clément, pour te rappeler, la première solution, c'est de jouer dans l'eau. Exactement. Bon, apparemment, là, la situation ne te le permet pas vraiment. La deuxième solution, c'est... Et la troisième solution, Clément, c'est tu prends le point d'entrée de ta balle, donc tu vas représenter par un tee. Je te laisse planter ton tee, exactement, au point d'entrée de ta balle. Elle est rentrée à peu près ici. Exactement. Et à partir de là, dans la lignée du tee et du drapeau, tu recules autant en arrière que tu veux. Mais dans cette lignée-là, hein, voilà, il ne faut pas que tu dévies. Tu t'arrêtes où tu le souhaites. Là, c'est un peu en pente, Mathieu, donc je vais reculer. Ok, je te laisse reculer, je te laisse faire. Et je drop. Et tu drops. Magnifique. Elle reste en jeu. Impeccable. Maintenant, bah, il ne te reste plus qu'à jouer. Parfait, Clément. Donc, en résumé, il est préférable de prendre l'option de se dropper en arrière, autant en arrière que vous le souhaitez. Alors bien évidemment, pas comme Clément à aller jusqu'à Leclerc, vous êtes obligé de rester sur votre trou pour vous dropper. La possibilité de dropper directement en jouant du départ, il n'est pas conseillé puisque vous allez perdre forcément un coup et vous serez encore loin du trou. Bien évidemment, ne mettez jamais de balle provisoire puisqu'une balle provisoire est considérée comme balle perdue. Donc voilà, choisissez plutôt cette option-là. Alors Clément, t'as fait combien là? Là, je fais bogey, j'ai fait 4. T'as fait 4? Ah ouais. Non, je pense pas. Pourquoi? Bah t'as fait 5. N'oublie pas que quand tu te droppes, t'as un point de pénalité. Ah oui, je suis tombé dans l'eau. Exactement. C'est ballot. Eh oui. Bon bah j'espère pour toi que maintenant tu connais bien la règle. Ouais. Je te retrouverai pas de nouveau à Leclerc. Non, j'espère. Ok. Et puis je te souhaite à bientôt. À bientôt Mathieu. Allez, pour de nouvelles aventures. Ciao. Merci encore. Ciao.